C'est Geek Gamer Guy, et oui, qui voulez-vous que ce soit d'autre, en même temps on est sur ma chaîne, pour Retro Value avec cette fois-ci Banjo Pilot sur Game Boy Advance, jeu sorti en 2005, développé par Rareware, édité par THQ. Il s'agit du dernier jeu de la licence Banjo-Kazooie à être sorti sur une console Nintendo. C'est un jeu de course dans l'esprit d'un Diddy Kong Racing, mais uniquement avec des avions. Seuls 4 personnages sont disponibles au début et on ne retrouve aucun singe de la famille Kong, ce qui est normal, me direz-vous, puisqu'il s'agit d'un jeu Banjo-Kazooie et non pas d'un jeu Donkey Kong. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le jeu aurait dû être Diddy Kong Pilot et non pas Banjo Pilot. Le projet avait été présenté pour la première fois au Nintendo Space World en 2001. Mais dès l'instant où Rare a été vendu à Microsoft, la compagnie perdait le droit d'utiliser des personnages appartenant à Nintendo dans leurs jeux. Exception faite pour Star Fox Adventure, qui devait encore sortir sur GameCube. Alors oui, tous ces problèmes juridiques étaient très cons. Sachant que ce jeu allait sortir sur la console portable de Nintendo, mais il était de toute façon temps de faire de l'ordre entre les droits des deux compagnies, puisque le personnage de Diddy Kong avait été créé par Rare. Mais il s'avère indissociable de l'univers Nintendo, vous imaginez un jeu Donkey Kong sans Diddy Kong? Et c'est pourquoi Nintendo a racheté les droits du personnage Diddy Kong en 2004, pour continuer de le faire apparaître dans les jeux Nintendo. Et du côté de Rare, le projet Diddy Kong Pilot a été remplacé par le projet Banjo Pilot, dans lequel Rare aurait enfin tous les droits sur les personnages, puisque ce seraient ceux de Banjo-Kazooie. Ouf, et bien voilà, ils ont finalement pu sortir leur jeu. Mais étant donné les conditions dans lesquelles le jeu a vu le jour, on pourrait craindre qu'il s'agisse d'un jeu sorti dans l'urgence, un titre bâclé issu d'un projet qui a fait une fausse couche. Mais je vous rassure, le jeu offre un contenu généreux. Tout se débloque au fur et à mesure et une grande partie de ce contenu doit être acheté dans un shop. Mais dans le jeu, hein, ouais, on n'en était pas encore là à cette époque. Plutôt que de l'argent ici, on échange des pages perdues d'un vieux livre magique contre de nouveaux personnages ou du contenu pour le multijoueur, etc. C'est ça l'histoire de fond qui sert de prétexte à toutes ces courses. C'est le vieux livre magique Cheeto ou Trichy en français qui a perdu ses pages et on lui les rapporte. On gagne des pages du livre au fil des victoires et quand on récupère des notes de musique pendant la course, vous m'avez peut-être vu récupérer un item en forme de notes de musique, eh bien ça fait augmenter le nombre de pages obtenues. Ouais, j'ai pas trop compris la logique. Non mais cherchez pas, hein. Ta gueule c'est magique. Bon, ce jeu se rapproche vraiment pas mal d'un Diddy Kong Racing, bien que dépourvu d'un mode aventure se déroulant dans un monde central. On retrouve la confrontation à un boss une fois toutes les courses d'une coupe terminées. Et c'est pas vraiment un boss en fait, c'est juste un autre pilote qu'on affronte dans un duel aérien. On est à tour de rôle chasseur et chassé. Mais ces affrontements sont beaucoup trop confus, hasardeux et la visée n'est jamais précise. L'une des originalités du gameplay réside dans le fait de pouvoir en tout temps tirer sur ses adversaires pour les déstabiliser. Et chaque pilote possède son propre avion, bien à lui, avec sa propre conduite. Cela reste donc différent d'un Diddy Kong Racing, mais tout de même proche dans l'ambiance. Les musiques font peut-être d'ailleurs plus Donkey Kong que Banjo-Kazooie. Mais ce drôle de personnage que l'on voit maintenant, lui, il fait des bruits bizarres, qui ne m'évoquent aucun jeu en particulier, mais plutôt un vieux film de boules. Le principal mode de jeu de ce Banjo Pilot est composé de plusieurs grands prix qui doivent se débloquer petit à petit. Il y a le Grand Prix Battles, le Grand Prix Grunty, le Grand Prix Jinjo et le Grand Prix Endurance. En principe, un Grand Prix est constitué de 4 coupes, chacune représentant 4 courses. Donc vous vous dites, ouais, 4 x 4, 16, ça fait 16 courses par Grand Prix, mais ça dépend quel Grand Prix. Et on pourrait être tenté de penser qu'il y a pas mal de circuits, c'est vrai, le contenu est assez généreux, mais il faut quand même préciser qu'il y a de la redite dans les environnements. La vieille recette de « on reprend les mêmes et on modifie juste les couleurs », avec parfois des choix de palettes pour le moins surprenants, très flashy. Alors ce que je peux dire aussi concernant la jouabilité,
c'est que les pilotes se distinguent très bien les uns des autres dans leur gameplay. La conduite avec certains persos que je ne vous montrerai pas dans cette vidéo s'avère tout bonnement ignoble, hein, malheureusement lourde et imprécise, alors que d'autres se prennent en main sans le moindre problème. Ces différences entre les pilotes devraient être perçues comme un point positif, mais franchement, si c'est pour que certains héritent d'un gameplay dégueulasse, bah là je dis merde. Le principal souci avec ce Banjo Pilot résidera la plupart du temps dans un petit manque de précision et une action par moment trop bordélique. Et combien de fois passe-t-on à côté d'un accélérateur en croyant passer dedans? Ouais, d'ailleurs ces accélérateurs rappellent furieusement Diddy Kong Racing. Et ce Banjo Pilot souffrira forcément de la comparaison avec celui-ci. Bon, on retrouve bien les mêmes principes d'affrontement pendant les courses avec les différents objets bonus. Boule de feu, réducteur d'adversaires façon éclair de Mario Kart, obstacles à éviter, super accélération, invincibilité momentanée. Et d'ailleurs tous ces bonus, on les retrouve également pendant les affrontements sous forme de duel dans les nuages. Il y a un point important que je souhaiterais évoquer, c'est la part d'incertitude. Vous savez, cette part d'incertitude qu'il y a dans les jeux façon Mario Kart, hein. Donc cette impression que tout peut changer dans les dernières secondes, que rien n'est jamais gagné d'avance, c'est un élément très marqué dans ce genre de jeu. Bah, il est encore plus marqué ici que dans un Mario Kart, je trouve. Voilà, faut se méfier des coups de pute, en gros. L'une des gâchettes permet de prendre des virages serrés, l'autre permet d'esquiver les projectiles. C'est indispensable lors des affrontements aériens qui concluent chaque coupe, mais faut dire qu'en pleine course, ce sera carrément nécessaire de faire un looping pour éviter une menace qui nous colle aux fesses, et cela fait presque perdre autant de temps que si on se laisse faire. Voilà. Donc, et puis, c'est embêtant d'entendre les bruitages des items qu'utilisent les adversaires. Ouais, ça peut être assez ennuyeux, car cela engendre une certaine confusion sonore. On n'est jamais trop sûr si on a une saloperie qui nous a pris en chasse nous, ou si elle a pris en chasse le trou du cul qui se trouve 2 mètres à côté. Bon, en dépit de ces quelques petits problèmes que j'ai évoqués, Banjo Pilot est un jeu sympathique, même pour jouer tout seul. Et là, vous allez me dire, ouais mais attends Geek Gamer Guy, tu peux pas présenter un jeu comme ça, citer tous les défauts et ensuite dire, ah mais en fait le jeu est sympa, faut quand même que tu nous donnes un peu envie. Ouais, vous avez raison, c'est que j'ai tellement l'habitude de tester des jeux de merde, ouais, c'est pas tellement dans mes cordes de donner envie, moi je suis plutôt le genre de mec qui fait des vidéos pour dire aux gens, faites gaffe, jouez pas à ce jeu. Mais celui-ci, je peux dire, jouez-y si vous avez envie. C'est un bon jeu, il est vraiment sympa. C'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais il s'est plutôt pris de bonnes critiques à l'époque. Enfin, c'était assez mitigé, mais il n'y a jamais eu de critique vraiment catastrophique à son sujet. Mais il n'y a pas eu non plus de critique hyper élogieuse. Et il faut bien comprendre une chose, c'est que le jeu est sorti sur le tard. On était plutôt en fin de vie de la console portable. Ce n'est clairement pas un jeu qui a permis de faire vendre des Game Boy Advance, ça c'est sûr. Et à l'époque où il est sorti, en 2005, on avait déjà pu voir des graphismes plus élaborés, enfin comprenez, on avait déjà pu voir des graphismes en véritable 3D sur Game Boy Advance. Or, dans ce jeu, c'est de la Simili 3D, le pseudo mod set de la Game Boy Advance, qui est très bien utilisé. Je dois dire que c'est peut-être l'un des plus beaux jeux du support utilisant cette technique. Alors je pense qu'ils ont bien fait d'utiliser le pseudo mod set, ils ont préféré opter pour une simili 3D mais avec un rendu graphique plus fin. Ouais, parce que la véritable 3D sur Game Boy Advance, disons que lorsqu'il y en avait dans un jeu, eh bien on restait admiratif face à l'exploit, mais concrètement la vraie 3D sur ce support, ça donnait des graphismes pas très jolis, assez grossiers, alors que là on a des graphismes bien définis. Bon, le seul défaut avec ce mod set, c'est que parfois on peut avoir des petits soucis pour se repérer dans l'espace, arriver à comprendre où on se situe par rapport au tracé du circuit. Bon, on peut quand même se repérer en jetant un coup d'œil en bas à droite de l'écran pour se dire « Ah ouais, je suis dans tel ou tel virage », mais je vous jure que dans le feu de l'action, c'est pas forcément évident. Bon, heureusement, la plupart du temps, on arrive quand même à se repérer, on situe les bords de la piste grâce aux sprites 2D, aux éléments graphiques qui bordent celle-ci et qui servent à délimiter le terrain, quoi, à baliser la piste. Et ces éléments graphiques qui jouent un rôle important pour la lisibilité, ils ne sont pas systématiquement présents dans tous les jeux qui utilisent du mod set. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Exhausted, que je vous avais testé il y a quelques temps sur Super Nintendo.
C'était un jeu de course de Formule 1 et il avait un rendu graphique nettement plus aplati. Enfin voilà, on arrivait moins à se rendre compte où se situaient les virages, il y avait moins de balises pour se repérer. Hein, clairement, au niveau de la réalisation, ce Banjo Pilot, il est pas mal torché du tout. Bon, en même temps, c'est un jeu rare, hein, on pouvait s'attendre à de la qualité. Alors, il reste un point que je souhaiterais aborder, et puis j'en aurais terminé pour cette petite présentation de Banjo Pilot. Oui, c'était une vidéo relativement courte. Alors, ce dernier point que je souhaiterais aborder, c'est à propos de certaines textures du sol. Alors, attention, hein, je ne veux pas parler de la qualité graphique des textures du sol, non, c'est juste qu'il y a certains revêtements de sol au-dessus desquels il vaut mieux ne pas voler, sinon on est fortement ralenti. Voilà, ce qui n'est pas logique parce que le concept de voler, de survoler, c'est justement de ne pas entrer en collision avec ce qui se trouve au sol. Mais bon, il fallait bien que les développeurs trouvent un moyen de limiter le joueur dans ses déplacements. Ouais, parce que vu qu'il est en avion, théoriquement, il peut aller absolument partout. Mais dans les faits, non, il ne peut pas couper les virages comme bon lui semble. Et puis il y a des murs invisibles quand même qui bordent la piste. Donc le joueur n'est pas libre d'aller partout là où il en a envie, mais ce n'est pas un jeu d'aviation, c'est un jeu de course, dans la veine d'un Diddy Kong Racing, mais tout de même un peu différent. Et ce serait dommage de simplement considérer ce jeu comme un sous Mario Kart ou un sous Diddy Kong Racing. Non, il est quand même sympa, il vaut son petit pesant de cacahuètes. Et puis, hein, c'est le dernier jeu Banjo-Kazooie à être sorti sur une console Nintendo. Ça lui donne ce petit côté légendaire, entre guillemets. Bref, c'est un sympathique jeu de chez Rare qui nous met du soleil et de la bonne humeur dans le cœur. Et cette rétro-value est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!